vous entendez tout le monde parler de l'IMAX à chaque sortie cinéma et vous ne voulez plus passer pour un ignorant? Tout va bien, je vous ai pas oublié. Préparez-vous, vous allez tout savoir. Alors, première chose assez simple, IMAX, c'est le format d'image le plus grand qui ait jamais été inventé de l'histoire du cinéma. Là où toutes les pellicules du monde défilent de manière verticale et gardent une partie de leur largeur pour accueillir des pistes son, les caméras IMAX font défiler la pellicule horizontalement, et on voit paître les pistes son. Il n'y a de la place que pour l'image, toute l'image sur toute la surface exposée de la pellicule. Ce qui permet de gagner 26% d'image en plus par rapport à une pellicule classique en France. Parce que oui, même si maintenant on parle d'HD, d'Ultra HD, de 4K, de 6K, de 8K ou que sais-je, le format pellicule IMAX reste la plus haute résolution jamais atteinte. Si on se hasarde à une comparaison hasardeuse, le grain argentique d'une pellicule et un pixel de capteur numérique, c'est pas réellement la même chose, l'IMAX, c'est une qualité d'image de 18K. Je pourrais vous parler format d'image et de pellicule toute la journée, mais on en parlera une autre fois. Ces caméras extrêmement rares sont toujours utilisées avec beaucoup de précautions, sauf pour Christopher Nolan, qui se paie le luxe d'en attacher une sur l'avant d'un Spitfire lors du tournage de Dunkerque. Ouais, c'est trop en fait. Mais ce n'est pas tout. Chez IMAX, tout est breveté et suit la production d'un film. Ils produisent leurs caméras, leurs pellicules, mais aussi leur système de post-production et de projection. Tout se suit et s'enchaîne pour s'assurer de la qualité maximale à chaque étape et offrir la meilleure expérience en salle de cinéma, en collaboration avec les réalisateurs des films. Premier point, dans une salle IMAX, l'écran est très grand et incurvé. Il mesure jusqu'à 386 mètres carrés dans les salles Gaumont-Pathé françaises. Autre spécificité, le public est proche de l'écran sur une salle extrêmement gradinée pour que son énorme toile qui va du sol au plafond remplisse entièrement votre champ de vision. Vous êtes au plus proche de l'action, ce qui renforce votre immersion. En étant aussi proche et avec un écran aussi grand, il est inconcevable de ne pas avoir une technologie de pointe pour la projection. Et vous allez être servi. La société IMAX confectionne elle-même leur projecteur laser 4K de dernière génération. Et pour s'assurer qu'il n'y ait aucune perte de qualité ni de luminosité sur l'intégralité de cet écran immense, deux projecteurs laser sont déployés simultanément lors d'une projection IMAX. Il n'y a donc aucune perte de luminosité ou de qualité, tout ça alors que vous n'avez jamais été aussi proche de votre film. Côté son, IMAX a également développé son propre système. Leurs salles sont pensées pour avoir une acoustique améliorée et favoriser le meilleur placement des enceintes possible. Leurs enceintes sont spécialement étudiées pour diffuser la meilleure plage de fréquence, des basses aux aigus. En fait, chaque haut-parleur IMAX est aligné au laser pour fournir un son très précis et une spatialisation acoustique parfaite. Autre point très important, les salles IMAX ne projettent que des films labellisés IMAX. Ce processus vous assure que le traitement du film a été effectué afin de le projeter dans les meilleures conditions. Dernière chose, il y a 12 salles équipées IMAX en France en exclusivité chez Gaumont-Pathé. Pour un plaisir maximal, n'hésitez plus. Allez, prenez soin de vous. À bientôt.